Salut Richard, maman est sous la douche. C'est toi que je viens voir. Tu sais que ce soir, les icebergs de Flekkefjord jouent contre les caribous de Novokouznesk en finale de la Coupe du Monde de curling? Ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais en fait, j'ai déjà autre chose et... Rassure-toi, tu n'es pas invité. Hein? J'y vais avec mon neveu de Super Chevel. Pépo? Oui, il arrive par le train de 12h30. Mais je dois bosser au magasin. Je me disais que... Que je pouvais aller le chercher et m'occuper de lui cet après-midi? Oui. Ça marche. Super sympa, Lou, merci. Y a pas de quoi. Hey, tu te souviens de Pépo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés et tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan. Moi aussi, je veux jouer à votre jeu de rôle, là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre, les règles, et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Allô? Salut, c'est moi. Dis, je me demandais si pour le jeu de rôle, si je peux m'incruster. T'es rôliste, toi aussi? Hein? Oui, je connais bien wagon et donjon. Dragon. Ben oui, je sais, c'est une petite blague de rôliste, mort de rire, hein. Bon, écoute, si tu veux que ma mère vienne, moi je viens aussi, c'est un lot, à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Dans ces conditions, j'accepte. Ok, super, t'es un amour. Et voilà. Et Pépo? Oh, salut, tu vas bien? Ouais, super. Dis, qu'est-ce que tu dirais de passer l'après-midi avec un garçon super sympa? Pépo, je suppose. Salut. Moi, c'est Mina. Lou a un empêchement, elle ne pourra pas être avec toi cet après-midi. Ah, ok. Bah, elle aurait pu me prévenir tout de même. Me passer un coup de fil pour me dire qu'elle m'envoyait une vague copine. Eh oh, ça va, on se calme. Mais d'abord, je suis THE copine. Nina, c'est ça, hein? Mina avec un M comme dans mufle. Sympa, le comité d'accueil. Un garçon super sympa. Bon, on va commencer par se présenter. Allez, tour de table. Je suis Grimm, magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même. Mi-nain, mi-humain, mes communautés m'ont injustement repoussé, mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Kahar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. Eh, c'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage. C'est ça, le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15, loyal, bon, évidemment, humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes, la justice et... la justice. Tu l'as dit deux fois? Exact, mais j'ai deux tranchants. Je suis Kernael de Gorfenek, elfe guerrière chaotique, bonne, de niveau 13. Archère aussi belle que redoutable. Mon village a été rasé par les sbires de Stog le maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, à bas Stog le maudit. Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnacan pour contrer la malédiction de Stog le Maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais leur jeter des pierres. Hé, hey, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti. Ah!
lance une pierre. Très bien, vas-y. Lance un dé 20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Mon quoi? Ok, 20, ça nous fait CA 8. Raté. Et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. Alors, vous avez décidé? Une salade toscane sans lardons ni anchois, mais avec des capres et de la pancetta, et la sauce dans un bol à part. Hein? Ben, moi aussi. C'est exactement ce que je voulais prendre. C'est marrant, ça, hein? La voie est libre. La porte de la citadelle est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Montre-nous tes talents, Griboulette. Ouvre-nous cette porte et surtout, n'oublie pas de détecter les alarmes. Vas-y, jette 2 des 10. 43, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon, ben, j'ouvre alors. J'avais détecté aucune alarme! Bah oui, mais t'as raté! Quel boulet, ce gnome! Hé! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rapiques. J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait, c'est triste les repas silencieux. Ok, lance un sujet de conversation. Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah, quel genre de western? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il n'y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous? On n'a qu'à faire grimper la gnome. Comme ça, arrivée en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive? Nia, nia, nia. Je vais te montrer. C'est bon, Griboulette. Tu peux commencer à grimper. Oula! T'as failli t'écraser. Lance un nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Non! Non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernael. Faut bien l'aider, cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir, on peut jouer là? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orque avec nous. Les gnomes, ils ont deux mains gauches. Bah, c'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son. Et ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça? Je vais me gêner. Roleplay, les gars, ok? C'est donge, je peux faire ce que je veux. La rivière rouge, c'est bien, mais Rio Bravo, c'est mieux. Je préfère largement à la prisonnière du désert. Tu m'étonnes, c'est un pur chef-d'œuvre. Comme la charge héroïque. Je l'ai vu 16 fois. Ah, c'est Richard, il m'attend chez lui, je dois y aller. Faudrait pas louper le début du match, tu vois. Ah, on se reverra peut-être. Peut-être, oui. Allez, ciao, Mina. Ciao. Ah, l'amore. Je n'en reviens toujours pas. T'as tué nos persos. Vous l'avez pas volé. Mmh.
qu'on te boudait longtemps? Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Oh, oh, oh non, mon cher Piotr. Les skips ont sans doute demandé aux arbitres de mesurer la position des pierres. Effectivement, plus. Salut. Oula, au son de ta voix, je sens que ton après-midi avec Tristan a été un fiasco. Exact. Mais comment t'as fait pour deviner? J'ai juste dit salut. C'est mon super pouvoir de super copine. Et toi, tu dis rien? C'est bizarre. Oh, t'as craqué pour Pepo, c'est ça? Hein? Tu vois, on dirait que toi aussi tu l'as, ce super pouvoir. Allez, raconte, raconte. Salut! Salut! Alors, c'est quoi cette convocation chez le directeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est la faute de Mina. Tu me racontes ce qui s'est passé, histoire que je puisse me faire mon opinion? En fait, tout a commencé ce matin. On devait aller au parc pour le stage de secourisme organisé par le collège. J'avais rendez-vous en bas de l'immeuble avec Mina. J'étais de très bonne humeur et tout. Alors déjà, Mina, direct, elle était mal lunée. Genre, je me suis carrément levée du mauvais pied. Eh oh, attends-moi! Salut! Tu as 43 secondes et 10 centièmes de retard. Et moi, je déteste être en retard. C'est bon, stresse pas, ma grande. On y va en trottinant et on sera pile à l'heure. Y a intérêt. Je veux avoir mon diplôme, ok? Première leçon, un secouriste arrive toujours à l'heure. T'imagines? 43 secondes de retard, faut être carrément maniaque pour s'énerver comme ça. Il faut être carrément gonflé pour inventer un truc pareil. T'avais 43 minutes de retard, ma vieille. Eh, hey, salut, Joss. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a un petit malentendu entre nos filles, non? Il n'y a pas de malentendu. C'est Lou qui raconte n'importe quoi. J'avais la pêche, moi. Ce matin, j'étais à l'heure, tranquille et tout. J'attendais que Miss Maud s'habille comme tous les matins. Je commençais à perdre un peu patience et la voilà qui déboule comme une furie. J'arrive! En retard, comme d'habitude. Je te jure, il faut vraiment que je t'aime bien. Oh, ça va, hein? C'est pas la peine de me faire une crise parce que j'ai 3 secondes de retard. Ben, aujourd'hui, j'aimerais autant être à l'heure. Il y a le brevet de secouriste qui est en jeu, tu vois. Il y a le brevet de secouriste et je ne voudrais manquer ça pour rien au monde, car ma grande passion, c'est d'aider mon prochain. Quoi? Je me suis jamais moquée de toi comme ça. Oh, que si! Faut dire qu'aider les autres, Lou, elle s'en fiche totalement. Le seul truc qui l'intéressait, c'était de faire l'exercice du bouche à bouche avec Tristan. Eh ben, d'accord. Disons que j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Ah ah! Tu fais bien d'avouer. Mais attendez de savoir ce qui s'est passé ensuite. C'était pathétique. Quand on est arrivé au parc, on était très en retard. Mais Lou ne pensait qu'à son satané bouche à bouche avec Tristan. Et si je m'évanouissais en l'embrassant? Et si Tristan ne voulait pas m'embrasser? Et si je sentais mauvais de la bouche? Arrête de t'angoisser, tout va bien se passer. Hein? Tu m'as pas du tout dit ça. Quand on est arrivé, donc, le cours avait déjà commencé, mais depuis pas du tout longtemps, hein.
Ah, tu admets qu'on était en retard. Mina, laisse Lou parler, enfin. Je disais donc, le cours avait à peine commencé. J'étais hyper relaxe et Mina toujours aussi stressée. Je vais essayer de me mettre avec Tristan, tu sais, pour le bouche à bouche, tout ça. Ça t'embête pas? Dis-le franchement, hein. Fais comme tu veux, t'es grande. Écoute, je m'en fiche de tes combines vaseuses. Ce que je veux, c'est mon brevet. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Bon, je peux continuer? Donc, on est arrivé. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Et voilà, à cause de toi, on a raté les 32 premières secondes du cours. Désolée, tout est de ma faute. Oh, flûte! Du coup, Solène a déjà mis le grappin sur Tristan. Mais non, c'est honteux! Ça s'est pas du tout passé comme ça! On est arrivé. Oh. Ah, voilà les retardataires. Vous tombez bien, j'étais justement en train de former les binômes. Ouf! On n'a rien raté, pour ainsi dire. Tu vois, c'est tout toi, ça. Tu mets la pression aux gens et résultat, tu te fais de la bile pour rien. Non, j'y crois pas! Franchement, maman, tu vas pas croire ça! Ben, j'en sais rien. C'est vrai, c'est très confus comme histoire. Mina, continue, s'il te plaît. Donc, le cours a commencé. Lou était dans tous ses états. Une fois que vous avez vérifié que la victime est inconsciente et respire normalement, vous alignez les jambes dans l'axe du corps. Tristan va embrasser Solène, je vais sombrer dans le désespoir et me noyer jusqu'à la fin des temps dans les limbes de la lamentation. Du calme, c'est juste un exercice technique de réanimation. C'est pas le baiser de Jack et Rose dans Titanic. Tu comprends rien! Ma vie est fichue! Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas échanger ta place avec Gilles. Hein? Pourquoi? Gilles adore Solène. Quand je serai avec lui, je ferai en sorte qu'il veuille être avec elle. Comme ça, je me retrouverai avec lui. Lui? Qui? Gilles? Mais non, idiote! Avec Tristan! Ah, mais ce serait pas plus simple de lui demander directement de se mettre avec toi? T'es dingue! Si je fais ça, il va tout de suite comprendre que je veux l'embrasser. Bref, comme j'ai bon fond, j'ai pris la place de Gilles, qui avait un pantalon à poche. Il se trouve que ça a arrangé Melvin. Enfin, vous allez comprendre. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Je peux pas te toucher. Pourquoi? Parce que je suis gynophobe. T'aimes pas les pizzas? Gino, pas Gino. Ça vient du grec, ça veut dire femme. Alors, tu n'aimes pas les filles? Non, c'est juste que j'en ai peur. C'est une phobie, quoi. Ben, t'as qu'à imaginer que je suis un garçon. Ça marchera pas. Pourquoi? Tu portes un pantalon à poche. J'ai peur des garçons qui portent des pantalons à poche. Hey, dis-moi, il y a quelque chose qui te fait pas peur? Les ornithorynques. T'en rajoutes des tonnes! Melvin n'est pas gynophobe, il est juste timide. Tu racontes des salades parce que tu veux pas qu'on sache que tu m'as trahi. Ouais, une pure vengeance, au moment où j'allais enfin faire équipe avec Tristan grâce à mon plan génial. Dis Lou, tu voudrais pas échanger ta place avec Solène? Ne te vexe pas, hein. C'est juste que, comme ça, je pourrais être avec elle. T'inquiète, ça me vexe pas du tout. Gilles, tu ne veux pas plutôt te mettre avec moi? Non, je... Allez! Pour me faire plaisir. Bon, ok. Super. Tu sais, j'adore les garçons intelligents. Alors là, c'est de la désinformation totale. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lou a gravement tanné Gilles pour qu'il se mette avec Solène. Allez, Gilles, si tu acceptes, je t'offre un abonnement à vie au planétarium, hein? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je lui ai jamais proposé ça. Oui, enfin bref, Gilles en a eu plus qu'assez et du coup... Tu es pénible, Lou, tu sais quoi? Je vais effectivement changer de place. Je veux pas être avec toi, en fait. Je vais me mettre avec Mina. Mina, tu veux bien te mettre avec moi? Ok, hein? D'accord. Ça m'arrange, il ne supporte pas que je le touche. Pour faire les exercices, c'est pas simple, hein. Tu veux bien te mettre avec Lou, Melvin? La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Non, mais tu veux que je te colle une baffe? Attendez, je l'ai jamais menacée physiquement. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. La fille qui ressemble à un ornithorynque sans poche? Oui, pourquoi pas? Quel farceur, ce Melvin. Tu m'excuses, j'ai un truc à dire à ma copine.
Ma copine, tu parles? Tellement obsédée par son satané brevet qu'elle a rien fait pour m'aider, hein. Je ne veux pas faire équipe avec Melvin. Il est complètement zinzin. Il va me faire rater mon brevet. Allez, au nom de notre amitié qui dure depuis super longtemps. Et là, d'un ton cruel et sans appel, elle m'a dit non. Moi, cruel, pas du tout. Je lui ai répondu ce que je croyais juste, d'un ton feutré et sécurisant. Ma louloute, je vais te faire de la peine, mais cette fois c'est non. Désolée, ce brevet est vraiment important pour moi. Ouais, le fait est qu'au moment de l'exercice du bouche à bouche, je me retrouvais avec Melvin et Solène était toujours avec Tristan. Et là, le cauchemar a commencé. Donc, après avoir aspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Et là, après s'être agenouillée à côté de Tristan, Solène a... Enfin, ils se sont... Ben, elle lui a fait du bouche à bouche, quoi. Y a rien de sexy là-dedans. Donc, après avoir inspiré, vous allez appliquer votre bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. Le pire, c'est plutôt ce qui s'est passé après. À l'aide! Il faut lui faire du bouffe à bouffe! Attends, mon garçon, laisse-moi faire. Regardez tous comment il faut s'y prendre. J'en connais deux qui vont aller s'expliquer chez monsieur le directeur. Effectivement, là, ça s'est bien passé comme ça. Ah, on est au moins d'accord sur un point. À cause de tout ce bazar, je n'aurai jamais mon brevet de secouriste. T'avais qu'à être plus cool, c'est de ta faute. Non, c'est de la tienne, espèce d'hystérique. Ouais. Ça suffit, on en a assez entendu. Et en ce qui me concerne, je n'ai rien compris. Moi non plus. Bon, c'est l'heure, le directeur nous attend. C'est lui qui va trancher. Ben, ça aurait pu être pire. Tu parles. Vous n'avez eu qu'un simple avertissement. À la place du directeur, je vous aurais collé 500 lignes à recopier. Minimum. Maman, tu sais, ça ne se fait plus. Ah bon? Ben non, et depuis longtemps. J'ai été un peu ridicule. J'ai pensé qu'à moi, j'ai pas réalisé que ce brevet te tenait tellement à cœur. Ben, j'aurais d'autres occasions. J'étais sans doute un peu stressée toute la journée. Je n'étais pas très à l'écoute et tout. Mais non, t'étais dans ton truc, c'est normal. C'est moi, je suis vraiment très égocentrique et... N'importe quoi, toi tu vois la vie du bon côté, tu es positive et je ne peux pas t'en vouloir d'être amoureuse. C'est moi, je suis trop cartésienne et... Tu es le bon sens incarné, c'est tout. Moi je suis complètement à l'ouest tout le temps, j'aimerais tellement être forte comme toi ma louloute.
Affirme pour qui je te reçois 5 sur 5. Je suis en position. Vas-y, je te couvre. Hey, tu te souviens que c'est ce soir la fête des voisins? Non. Super. Du coup, j'ai invité Tristan à passer la soirée avec moi. Alors, je te demande une faveur. Ne fais rien de spécial pour moi aujourd'hui, hein. Rien du tout. Pas de trucs bizarres, ni rien. Comment ça? Quel truc bizarre? Ben, tu sais, ces trucs bizarres que tu fais parfois en voulant m'aider. Le genre de truc qui provoque des cafouillages, quoi. Ok? Bon, je vais voir si Gino a besoin d'un coup de main. Bye! Joss? Salut! Hey, dis, est-ce que tu trouves que je fais des trucs bizarres? Oui, tout le temps. Mais bon, je ne t'appelle pas pour ça. Je suis obligée d'annuler notre déjeuner. Ah bon? Pourquoi? J'ai un gros problème. Un client vient de me refuser un projet de publicité pour une lessive. Les créatifs ont fait n'importe quoi. Je suis dans la panade totale. Ben zut alors, ma pauvre chérie. C'est l'horreur. Il faut remanier tout le spot avant ce soir. Ma secrétaire est en week-end et j'ai des milliards de choses à faire. Ben si tu veux, je peux te donner un coup de main pour ton film, là. Ben oui, t'es gentille. Mais tu sais, la pub, c'est un métier quand même. Ben oui, je sais, mais bon, je suis plutôt créative comme fille et des pubs, j'en ai vu des milliers. Enfin, si je dis ça, c'est pour t'aider. Ben, ok. Après tout, ça ne peut pas être pire. Retrouve-moi à l'agence dans 20 minutes. Salut Gino. Ça va? Non, les Savorani Brothers ont été arrêtés par la polizia pour association de malfaiteurs. Leur avocat vient de m'appeler. Ils annulent les concertos de ce soir. Mamma mia! Ma réputation va être totalement ruinée. Il n'y a plus qu'à me pendre à questa festone. Et si je formais un petit groupe, je veux dire, moi au chant et Tristan à la guitare par exemple? Tu es gentil, mia cara, mais je voulais un orchestre plus maestuoso. Une grappe entière, pas seulement deux petits raisins. Oh, un orchestre, ça se trouve facilement. Tu me fais confiance? Oui. Une petite question. Vous savez jouer d'un instrument de musique? Du triangle, j'en ai joué dans un orchestre tzigane. Génial. Vous accepteriez de jouer dans mon orchestre? C'est pour la fête des voisins ce soir. Et on peut savoir qu'il y a dans ton mastringue? Eh ben, Tristan, moi, sans doute Lucien, peut-être l'ancien et sûrement Richard. Un orchestre avec les voisins? Cette bande de ronchons qui se disputent pour un rien. Eh bien, ce sera sans moi. Je monte un orchestre avec Tristan. Vous accepteriez de vous joindre à nous? Ah, la musique! Communion séculaire avec les esprits ancestraux. Oui, jeune fille, je serai des vôtres. C'est ok. J'amène mon synthé. Ma contrebasse est à ton service. Salut, dis-moi, je suis désolé Lou, j'aurais adoré venir, mais là je peux pas, on m'a pris en otage pour aller au mariage de ma tante. Oh non! Pour te sauver le coup, j'ai appelé Dédé, mon prof de guitare, tu vas voir, il est super cool. Bon, ben ok, merci, à plus tard. Salut, Dédé Rock'n'Roller, yeah! Écoutez, c'est gentil d'être venu, mais en fait, je préfère tout annuler. C'est impossible, c'est toi le chef d'orchestre. Tu ne peux pas laisser tomber. Oh, oui, puis en plus, j'ai acheté des piles toutes neuves, alors faut que je les amortisse. Bon alors, qu'est-ce qu'on joue? Bon, ben, je voulais commencer par jeter dans la peau, puis enchaîner avec quand tu me prends dans tes bras, et je comptais finir par c'est flou ce que je t'aime. Voilà. Moi, ça me va. Les esprits vont adorer. Ça peut le faire. Let's rock, baby. Oh non, je me marie dans 2 heures. Faut pas vous en faire, ma petite dame. Avec Astic, tout va rentrer dans l'ordre. Astic, nouvelle formule? Non, avec Astic, nouvelle formule. Incroyable. Astic? Ça astique! Astique, ça astique! Alors? C'est comment dire ça avec tact? Ringard, vieillot, naze. Oui, 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 ça, je sais. Bon, tu as des suggestions, toi qui es si créative?
Ben, on pourrait dynamiser le montage en raccourcissant les plans et essayer de trouver un slogan un peu moins débile. Ok, ça m'a l'air sensé. Bon, le client revient à 17h. Il faut que ce soit prêt. Mmh. Ah, voici justement Xavier, notre monteur. Bon, je vous laisse voir tout ça ensemble. Allez, je file. Travaillez bien. Mmh. Attention. 1, 2, 3. Attendez, un nom. Notre formation se doit de posséder un nom digne de ce nom. Très juste. Voyons voir. Je propose les Comancheros. Un titre de western pour un groupe de musique, c'est ridicule. Je sais. Les voisins zinzin. Ah ouais, c'est super rock'n'roll ton truc. Pourquoi pas les joyeux boy scouts tant que t'y es. J'étais boy scout, figurez-vous, et je ne vous permets pas de... Chut! Assez de mauvaises ondes. Je vois le nom de notre groupe. Daft Punk. Sans vouloir vous offenser, il me semble que c'est déjà pris comme nom. Ah bon? Et voilà, c'est le bazar total. Ah ben voilà un nom rock, bazar total. Bon, est-ce que tout le monde est ok pour bazar total? Ah non. Finalement, j'ai décidé de me joindre à vous. Mais bazar total, c'est pas très chantant. J'imaginais quelque chose de plus positif, de plus rigolo, comme les voisins zinzin par exemple. Les grands esprits se rencontrent. En parlant d'esprit, ils n'arrêtent pas de me souffler qu'ils aimaient vraiment bien Daft Punk. On vous a déjà dit non. Moi, je propose les 7 mercenaires. Non, les Ben Mirabel. Et sinon, les Beatles. Dis-moi, Xavier, tu n'aurais pas des images d'archives par hasard? J'ai pas grand-chose. Des plans de marée noire, un incendie à Los Angeles et un vieux film japonais des années 60. Un truc de science-fiction. Rio Bravo. Zombie suicide. Les gentilles marmottes. Tendre bluette. Et Britney Spears. Ça existe, ça aussi, peut-être? Ben oui, hélas pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, mais on s'en fiche, mon pauvre vieux. Ah ouais, ben si on se fiche du rock'n'roll, ici je me taille. Ok, ben si c'est comme ça, moi aussi. Mauvaise sonde, mauvaise sonde. Ah, bonjour l'ambiance. Je t'avais prévenu, cet immeuble est maudit. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Nickel. On tient un bon truc là. Et en plus, on sera dans les temps. J'espère bien. Bon, bah, continue. Et n'oublie pas 17h, hein? Xav, tu pourrais monter un peu plus court le plan du rayon laser, s'il te plaît? Alors, Mialou, ton orchestre est prêt? Ben, non. Je suis désolée, Gino. Mais ne sois pas désolée. Tu as voulu m'aider, c'est ça le plus important. Et puis, je suis bien assez forte pour surmonter cette déception, d'accord, Lou? D'accord. Ciao! Ciao, Gino. Oh. Pardonnez-moi, j'ai eu une journée démentielle aujourd'hui. Mais vous allez être enchantés par la nouvelle version du film. J'espère. Prêt? Oh, chouette, super Astic. Merci, super Astic. Super Astic, disparaissez, bande de tâches. C'est complètement nul! Inefficace, bien trop compliqué pour la ménagère de moins de 50 ans! Hé, hey, restez poli! Je suis une ménagère de moins de 50 ans et je comprends très bien cette pub! Tant mieux pour vous! Mais moi, je refuse ce film! Et voilà! C'est vraiment sympa cette petite fête, Gino. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'orchestre. Du coup, je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Hein, Boubou? Je me suis acheté un tambourin. Je ne suis pas faite pour le violon. Et toi, comme tu es musicien, tu vas me mettre au diapason. Ça doit être simple à trouver. Ça doit être simple à trouver. L'accord. Joss? Bonne nouvelle. Le client a tellement détesté ton film
film que du coup il a changé d'avis sur la première version. Il la trouve géniale. Bah tant mieux. Voilà, c'est tout. Ah, je voulais te dire aussi, les trucs bizarres que tu fais dont tu me parlais ce matin, eh bien n'arrête pas d'en faire surtout. Tu es exceptionnel. Ciao. Mais quel truc bizarre à la fin. Allô? Allô? Au premier bémol, tu t'emballes, tu prends des airs de virtuose. Je perds le rythme et les pédales, et continuer à jouer, je n'ose. On essaye de le trouver, on essaye de le trouver. L'accord parfait. Tu me dis t'es pas en cadence, t'es en retard, tu sautes des strophes. Je te tire ma révérence, bien sûr c'est la catastrophe. C'est pas facile de le trouver, c'est pas facile de le trouver. L'accord parfait. Lou, je suis revenue, j'ai pris des cours. Au fond je ne suis pas de celles qui savent taper sur des tambours. Alors je t'offre ma voix de crécelle. Il était là sous mon nez, il était là sous mon nez. Là. Il s'appelle votre groupe. Bazar total. Bizarre tout ce monde, c'est désert le mardi normalement. Hé, hey, Gino, ben, et notre table? Mamma mia, scusi, venez, vous en trouver une autre. Là, c'est bene, non? Ecco, une escalope milanaise et des spaghettis à la carbonara. Mais, Gino, on est mardi. Le mardi, on prend toujours deux salades Capri, sans croûtons, et une grande pizza Volcano avec un supplément poivron que sur une moitié. Ma si, scusi, cara mia, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, Cassante, amore mio. Ah, ben voilà pourquoi c'est le bazar. Il est amoureux, le Gino. Mes chers amis, je vous présente Hyacinthe, ma fiancée. Bonsoir, je suis ravie de rencontrer les amis de mon chum. Enchantée, vous êtes de Québec? Montréal.
Et j'ai toujours rêvé d'y aller. Il paraît que les gens sont très accueillants. Bon, ben moi je vous laisse, hein. J'ai des devoirs à faire et tout. Ciao la compagnie. Et hop. Bah alors, on peut savoir ce qui t'arrive. C'était un peu malpoli ta façon de partir tout à l'heure. Attends un peu, ce serait pas parce que Gino a une copine? Non, aucun rapport. Je suis très contente pour Gino et aussi très contente pour le Québec. C'est génial ce rapprochement culturel. Trop fort. Bon, maintenant tu me laisses? Je vais d'abord te dire un truc. Tu sais, Gino est un super pizzaïolo, mais c'est aussi un être humain. Il a le droit d'être amoureux. Ouais, je sais. Mais tu vois, cette Hyacinthe, là, je la sens pas. Elle a l'air bizarre, non? Je voudrais pas que Gino soit déçu, c'est tout. Tu trouves que j'ai à bouger, hein? M'excuser? Ah non, plus quoi encore? Ok, t'as gagné, je vais aller lui demander pardon. Eh oh! Ah. Hey, Gino, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, hey, ciao, caramilla! En l'honneur des Hyacinthes, j'ai décidé de faire quelques picots et transformations dans les restaurants et d'ajouter des nouvelles spécialités dans les menus, regarde! Pizza à la poutine? Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? C'est une blague? Ma, pas du tout! C'est un concept révolutionnaire. Les mariages entre la cuisine italienne et la gastronomie québécoise. Tiens, je veux que tu sois la première à goûter les cannelloni du trappeur. Une merveille sublissima! Jamais! Trouve-toi un autre cobaye! Ma... Blanquette de caribou, spaghetti au sirop d'érable? Effectivement, ça a l'air... Immonde! Je refuse de remettre les pieds chez Gino tant qu'il fera de la cuisine québec-italienne. Ne sois pas injuste. Tu es bien placée pour savoir que l'amour, ça fait faire n'importe quoi. En fait, c'est pas Gino qui m'inquiète, c'est Hyacinthe. Imagine qu'elle soit pas du tout amoureuse de Gino et qu'elle veuille lui piquer tous ses sous. Et si c'était une espionne du KGB? Et si... Ouais, je vais te dire, moi. Le vrai problème, c'est de savoir comment on va manger. Parce que comme tu le sais, je n'ai pas encore trouvé un livre de cuisine qui marche. Ok, tu t'occupes de nous trouver de quoi manger et moi, je me charge de tirer cette histoire d'espionne au clair. Salut. Salut. J'ai besoin d'un conseil. Tu sais que Gino a une amoureuse? Bah oui, Hyacinthe, c'est chouette, hein? Non. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle est pas vraiment amoureuse de lui et ça m'inquiète. Oui, mais ce n'est qu'une sensation. Il faudra en être vraiment sûr. Et tu te souviens de la première fois que ta mère m'a présenté à Gino? Il m'a fait passer un genre de test. Alors, comme ça, vous êtes l'homme idéal? De qui? De Mia Poupa. Qu'est-ce qu'elle vous trouve? Mais... Désolé, ça va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop farabuto. Super idée, t'as raison. On va faire la même chose à Miss Caribou. Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez tapé les mots-clés « cuisine » et « nul » sur Internet. Ne vous laissez pas abattre, il vous reste la solution. Un coach de cuisine personnalisé, moi. Alors n'hésitez pas à m'appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas, qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Alors, quelle coïncidence! Vous allez vers le centre-ville? Oui, je dois m'acheter des lunettes de soleil. Ah, bah ça c'est drôle, moi aussi je vais par là. Dites, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Gino? Ben, avant tout, sa gentillesse. Et vous êtes amoureuse de lui alors? C'est l'homme de ma vie. J'étais dans la rue, il m'a bousculée et je suis tombée en amour. Hé,
Hello! Alors comme ça, on cuisine très très mal? Ben oui. Plus pour longtemps. Dites-moi, vous êtes maniaque? Je crois pas, non. Vous êtes jalouse? Non. Et vous êtes fidèle? Bien sûr. Une femme parfaite, quelle galère. Mais pourquoi tu me poses ces questions? Comme ça, pour savoir. Allez, au revoir. Alors, elle va commencer par me faire un petit test simple, histoire que je me rende compte de son niveau. Elle va nous préparer un... je sais pas moi, un petit faux plat. Richard, c'est affreux. Quoi? Hyacinthe n'est pas une femme bien? C'est pire que ça. Elle est géniale. Ah, tant mieux pour Gino alors. C'est ça, ouais. Elle se concentre, elle respire, elle a le poignet souple et zac d'un petit mouvement sec. Victoire! Cette fois, tout est dans la poêle. Elle progresse vite. Ma chérie, tiens, tu veux goûter à mon œuf au plat? Alors? Trop cuit, et ce serait nettement meilleur sans tous ces petits morceaux de coquilles qui craquent sous les dents. Gino? Hyacinthe, elle est partie! Hein? Mais pourquoi? Parce qu'une petite ragazza lui a posé des tas de questions indiscrètes et figure-toi que Hyacinthe est persuadée que c'est moi qui t'ai demandé de les lui poser. Non mais ça ne va pas! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller embêter cette pauvre fille, toi? C'est que... Gino, je te connais depuis que je suis toute petite et... Enfin, je crois que le fait que tu changes tout d'un coup, ça m'a fait peur. Peur? Oui, je sais que c'est idiot, mais t'as toujours été une sorte de repère pour moi, alors j'ai un peu perdu la tête, je suis désolée. Mia Lou, ce n'est pas parce que je suis amoureuse de Hyacinthe que je vais moins t'aimer. Mais maintenant, elle est sans doute perdue à tout jamais. Ne t'en fais pas, il n'est peut-être pas trop tard. C'est vrai, je vais la rattraper. Où est-elle partie? À la gare. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre les trains pour Borgnole. J'y vais. Gino ne m'a jamais demandé de vous poser toutes ces questions. C'est moi qui l'ai décidé toute seule. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de le perdre. Ah bon? Mais je... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Gino est malheureux sans vous. Ce serait bien que vous reveniez. Qu'est-ce que vous en dites? Oh non! T'inquiète, on descendra au prochain arrêt et on prendra un train qui nous ramènera à la ville. Bah dis donc, y a pas un chat ce soir. Ma cuisine italo-québécoise n'est plaît à personne. Vous devriez peut-être revenir à la cuisine italienne traditionnelle. Enfin, je dis ça... Mais c'est qui, lui? Tu nous présentes ou quoi? Voici mon coach de cuisine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Gino risque de nous avoir comme cliente encore longtemps. Et je confirme. Très longtemps.